Je sais pas ce que j'ai, je suis énergique là et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo face cam. Comme quand je tournais au bon Dieu de temps chez ma mère et tout, enfin bref, je suis trop contente. Ça m'avait manqué, vous m'aviez manqué. C'est parti, j'aime trop parler en fait, c'est une blague là, putain. Salut les gars, bienvenue sur la chaîne de KMBL. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, pas très originale, mais je voulais quand même faire le point sur tout ce qui est mode, vêtements, sap. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour un haul spécial hiver, spécial trouvaille friperie, vintage, tout. Il n'y a rien de sponsorisé aujourd'hui dans cette vidéo, mais voilà, c'est juste pour vous faire un petit point mode. Parce que tout simplement, le dernier try on haul que j'ai fait sur ma chaîne, c'était celui de cet été. Donc je me suis dit, pourquoi pas marquer les saisons avec des try on haul à chaque fois, spécial été, spécial hiver, parce qu'entre temps on s'en fout un peu, on met tout et n'importe quoi. Et cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, je vais mentionner plusieurs marques, mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer mes dernières pièces, parce que j'ai des nouvelles acquisitions, entre guillemets, que je n'ai toujours pas essayé. Donc voilà, comme ça vous pourrez me dire vos avis, et je pourrais peut-être vous inspirer sur des pièces, si vous êtes en manque d'idées pour faire des tenues ou quoi que ce soit. Enfin voilà, on est parti, là je suis en peignoir, je suis juste maquillée, mais je suis pas habillée. Ça vous dit qu'on commence par les trucs que j'ai trouvé en fripe? C'est pas mal. Je sais pas s'il y en a qui sont comme moi, mais en mode, des fois j'ai un peu la flemme d'aller en fripe, alors je sais qu'il y a des pépites. Et en voyant ce que les autres peuvent trouver, ça me remotive à chaque fois. Donc du coup, peut-être si ça vous fait ça, c'est le moment de se remotiver. Je vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer des pièces iconiques que tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram connaissent. Ils sont fans, donc voilà, il manquait plus que vous, je vous mets à jour. Premier vêtement de fripe que j'ai trouvé il y a pas longtemps. Alors non, de base, petite anecdote, c'est ma soeur qui l'a trouvé, mais moi je l'ai récupéré parce qu'elle voulait le vendre sur Vinted. Au passage, je vends grave des trucs sur Vinted. Je suis pas là du tout pour faire la promo de Vinted ou quoi, mais juste hier soir, j'ai refait un stock entier, j'ai refait un tri, mais monstre. Alors vous aussi, ça peut vous faire votre petite fripe, et je fais des prix de fripe, alors que c'est des trucs des fois qui me donnent des collections. De il y a deux semaines, vous voyez, mais profitez-en d'ailleurs, et voilà. Donc oui, regardez les coupes que vous pouvez trouver. En fait, ça c'est des coupes genre, vous voyez, vintage. Alors je vous apprends rien, hein, les fripes c'est trop bien et tout, mais peut-être ça peut vous remotiver à trouver des pièces de ce style là. Et puis étant donné que c'est le couvre-feu et qu'on est pas mal entre guillemets confiné chez nous, le froid qui cala. Je vois déjà que vous allez vous affoler avec les crop top juste en dessous de la poitrine, mais voilà, je suis devenue une meuf très crop top. Je sais pas pourquoi, je profite d'avoir encore un ventre plat. À mon âge, parce que là j'enchaîne les Uber Eats et je peux vous... Bon, bref, c'est pas le sujet. Bref, au suivant. Guys, ensuite, alors là j'ai descendu la caméra parce que je vais vous montrer un pantalon que je porte sur moi là. C'est un pantalon taille basse. Alors moi je remets à la mode le retour du taille basse, d'accord. Il y en a plein qui disent taille haute, supérieure à taille basse. Enfin je fais ça parce que c'est le signe, t'as capté. Mais les amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Les années vintage, 90, 80, 70, années 20 carrément, ça revient de ouf. Et moi c'est des trucs depuis, j'ai regardé les garde-robes de ma mère, les photos de mes parents, c'était toujours iconique. Et pour moi c'est comme si ça avait toujours été la mode, vous voyez. Donc bref, quand j'étais petite je me sentais inconfortable avec ce type de pantalon, mais maintenant j'y suis à l'aise. Donc c'est pour ça que je vous le montre, parce que c'est une pièce phare. Il fait parler, ce pantalon il fait parler. Donc tout autant les gens les apprécient parce que ça épouse les formes du corps, mais aussi il laisse apparaître beaucoup le ventre. Et puis même les gens ils aiment pas les tailles basses de base. Donc voilà, dites moi votre avis en commentaire. En tout cas moi je l'ajoute dans cette vidéo parce que c'est une de mes pièces phares maintenant, et je l'ai trouvé en fripe pour 5€. Donc c'est pour ça, franchement, si vous voulez trouver des pépites comme ça, genre si vous voulez vous approprier des pièces, genre uniques, limite dans le monde encore aujourd'hui, allez en fripe et favorisez la seconde main, c'est très important, c'est beaucoup mieux même. C'est un jean brut, alors moi je suis fan des jeans bruts, plus évasé au niveau des chevilles et j'adore, genre c'est la coupe parfaite. Et voilà. Ce pantalon je l'avais déjà présenté en story il me semble, mais voilà, j'aime bien le classer dans une vidéo, au moins ça bouge pas. Et tous ceux qui ratent ma story, ils peuvent trouver la rêve. Voilà, en tout cas je préviens, les tailles basses, c'est moi, dès que vous voyez un taille basse, appelez-moi. Je vais vous montrer deux autres pantalons que j'ai trouvé en fripe en fin d'année 2020 là, que j'aime bien et qui sont super bien taillés aussi, qui passent très bien en hiver. Alors ce pantalon, c'est un pantalon Zara Trafalu que je l'ai trouvé en fripe. Il est un peu grand, je vous avoue, mais avec une petite ceinture soit transparente, ou si tu serres derrière avec un élastique, genre. Regardez, franchement pas mal, je le trouve super beau, très confortable. En plus il tient un peu chaud parce que c'est un velours à l'intérieur, c'est doux. Et en plus j'aime bien les petites poches de devant, elles sont trop mimes. Vous l'aurez compris je pense, je kiffe les détails. Franchement j'aime beaucoup. Calculez pas mes crocs par contre. Alors ensuite j'ai trouvé aussi en fripe un pantalon un peu aussi taille basse. On voit vraiment que c'est un pantalon des années je ne sais combien. Il y a des sortes de petites cintres pour resserrer. En bas tu peux faire cargo. Là il y a des poches un peu épaisses avec une sorte de badge et tout. Je sais même pas c'est quoi. C'est un truc de surf. C'est la première fois que je lis ce petit autocollant là. J'aime beaucoup quand les pantalons ils sont pas simples, qu'il y a des détails, des poches, des ceci cela. Je l'ai encore jamais porté dehors. Et donc voilà, 5€ en fripe aussi. Et moi je trouve que les pantalons de fripe ils ont vraiment beaucoup plus de style. J'ai l'impression que les pantalons tout neutre avec juste une couleur et une matière unie. Et puis même j'ai remarqué que sur le pantalon, au niveau d'ici en fait tu peux enlever carrément le bas et ça te fait un pantacourt. Bon,
On va pousser le délire, mais en tout cas, pour ce qui est des fripes, oh, fallait que je vous parle de mon amour pour la couleur chocolat et les tenues couleur chocolat, genre marron chocolat. Oui, oui, je pose mon certificat. Si vous voyez une tenue chocolat, pareil, vous m'appelez, ça vous fera penser à moi. Je vais vous montrer un haut que j'ai trouvé en fripe chocolat. Donc je vais vous montrer le haut qui vient de friperie, mais le bas par contre il vient d'une autre boutique. Et par contre ça me fait une tenue phare chocolat. Regardez-moi ce col rond, on dirait pas une pièce de chez Jacquemus s'il vous plaît. Je sais pas, j'adore, genre vous allez dire je suis folle, c'est juste une couleur et un pull, mais... please. Voilà, ça j'ai eu un coup de cœur pour ce pantalon, attendez je ferme la zipette. Je sais pas, enfin je sais pas vous, peut-être ça fait trop chocolat à vos yeux, mais en tout cas moi, peut-être pas tout le temps ensemble les deux, mais je voulais vous montrer aussi ce pantalon, je suis fan de ce pantalon, mais voilà, j'ai envie de le rentrer dans la vidéo. Moi je le porte en taille basse, vous connaissez. Enfin bref, tout ça pour vous dire que si jamais vous voulez identifier mon starter pack, c'est tenue chocolat, pantalon taille basse, près du corps pour le haut et... pantalon large pour le bas. Je trouve ça très joli et beaucoup d'inspiration des années 80-90 vintage de mes parents surtout. Je vais pas l'essayer parce que je comptais pas l'intégrer dans la vidéo, mais juste pour vous dire aussi, ça ça intègre mon starter pack. Pantalon à matière, c'est-à-dire que ce soit vinyle, effet cuir, velours. J'aime trop les pantalons à matière comme ce pantalon beige. Alors je l'avais déjà fait un try and haul en story Instagram, c'est pour ça suivez-moi comme ça. Il y a plein de pièces que je vais pas tout le temps présenter, mais voilà. Et voilà, les pièces effet cuir, c'est tellement stylé. En fait, ça change d'un simple tissu de couleur, vous voyez, ça apporte du caractère à votre tenue. Et ça, je voulais vraiment vous le spécifier, même si j'ai un peu la flemme de le porter. C'est devenu très 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 tendance en ce moment sur tous les sites, vous cherchez, vous trouvez. Voilà, au cas où, si vous voulez un petit peu des petites inspi. Donc voilà, pour ce qui est des fripes. Alors, si vous voulez bien, maintenant, on va passer... à l'onglet Vinted, parce que oui, la seconde main c'est les fripes mais c'est aussi Vinted. Je le dis et je le redis, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, mais moi en fait je me suis payé une paire de lunettes Gucci. Je voulais pas la rentrer dans l'onglet Vinted, je l'ai eu neuve et tout, mais en cherchant sur Vinted il y a des paires, des pièces vintage de luxe totalement neuves aussi, et pour des prix genre vous pouvez trouver des trucs de luxe à 20 balles parce que les gens veulent juste s'en débarrasser, vous voyez. Ma paire de lunettes Gucci, c'est une de mes dernières acquisitions. Je voulais trop un modèle qui ressemblait aux lunettes de mon papa. Je vous avoue que je copie grave, j'ai grave copié sur mon père parce que depuis que je suis petite je le vois, il a des grosses lunettes de phare hauteur là. Je me suis toujours dit c'est l'excès, mais en fait indirectement j'ai adoré, papa. Donc si tu vois cette vidéo, j'ai déjà montré dans ma vidéo ASMR d'ailleurs, mais je suis tellement fière que je voulais l'intégrer à la vidéo. Please. Non mais elles sont trop fraîches, je suis désolée. En fait tu mets ça, tu mets ce style de lunettes, tu n'as pas le temps. Moi du coup là je vais m'orienter encore plus sur Vinted pour trouver des paires, que ce soit Chanel, Dolce & Gabbana, tout ça. Et donc maintenant pour vraiment plonger dans la partie Vinted de mes trouvailles, je vais vous montrer une paire de Jordan. Moi quand je l'ai voulu l'acheter neuve, elle était indisponible partout, j'ai trouvé sur Vinted pour 150€ les gars, vous allez voir. Regardez-moi cette paire s'il vous plaît. Et encore, moi j'ai fait une boulette, faut que je vous raconte. Elles sont pas à 100% de la couleur d'origine parce que moi, bête comme je suis, je les ai passées à la machine avec des vêtements. En tout cas, elles sont ouf. Et je les ai payées 150€. Et j'ai dit, mais pourquoi madame, vous les vendez si peu cher? Elle me dit, non, parce qu'en fait, j'ai besoin d'argent rapidement. Donc, je voulais être sûre que ça partait bien. J'étais en mode, ok, c'est pour moi. Voilà, vraiment, ne négligez pas les sites ou les lieux de vêtements de seconde main. C'est ouf. Donc, voilà, ils rentrent dans mes coups de cœur de cet hiver. D'ailleurs, si vous voulez voir comment je les porte un petit peu, vous pouvez aller sur mon Insta. J'ai fait des pics avec. Et aussi, je vous montrer un accessoire qui fait partie de mes trouvailles de Vinted favorites. C'est ce magnifique petit sac en jean, mais il est pas trop mignon. Alors moi qui kiffe le jean, tout ce qui est denim, en vrai jean brut, je kiffe le jean brut. Et je l'ai eu gratuitement avec la paire de Jordan, parce qu'en fait, petite anecdote, la personne elle m'a fait une remise en main propre et j'ai payé les frais de port. Et donc du coup sur sa page, le petit sac était à 4€ et je l'ai eu gratuitement. Tout ça pour dire que je suis trop contente en fait. Il est trop mignon, regardez, il y a plein de petites poches. Une ici, une au centre, une là, il y a les vraies poches du jean, tout ça, mais il est incroyable. Il se peut que vous l'ayez vu sur les réseaux sociaux de Maya parce qu'elle a kiffé, donc elle l'a mis en story snap je crois, et vraiment c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas de dé comme ça. Là on a terminé avec la première partie, tout ce qui est seconde main, fripe vintage, tout ça. J'ai envie de tester maintenant des vêtements de deux différentes marques que j'ai acheté mais que je n'ai jamais essayé. Donc là c'est le verdict, on va juger ensemble si les pièces que j'ai choisies sur internet sont comme la réalité. C'est parti. J'ai reçu mon colis il y a quelques jours qui nous vient tout droit de chez Sandro Paris. J'ai testé des pièces de la
prochaine collection d'été. Je voulais un peu des pièces qui sortaient de l'ordinaire, des vêtements streetwear, fast fashion, un petit peu assez tendance en ce moment. Sandro, j'avais jamais pris de pièces là-bas. Je voulais des vêtements qualitatifs et avec un style un petit peu un peu parisien, un peu chic. La première pièce que j'ai sortie du sac, c'est cette robe. Je vous mettrai, si je retrouve le nom de la matière, je l'ai oublié. En tout cas, elle est exactement comme sur le site. J'aime beaucoup changer et varier les styles. Donc voilà, j'espère vraiment qu'elle va m'aller. Je vais faire la petite dame dans les rues de Paris. J'aime trop le sort d'imprimé qu'il y a sur la matière. Go essayez là. C'est pas la pièce qui va le plus vous plaire, mais moi en ce moment je suis très focus sur les tenues mode, les tenues qui sortent du fast fashion. Je sais pas combien de fois j'ai dit fast fashion dans cette vidéo. Voilà ce que ça donne la première robe. C'est un style très vêtements parisiens des années je ne sais combien. Ça change énormément mais moi j'aime beaucoup. J'ai accordé avec un petit collier de perles. C'est très joli, j'aurais aimé que ce soit encore plus cintré parce que moi j'ai une taille genre qu'on peut bien marquer avec les vêtements, ça aurait été encore plus mignon. Et c'est cet été d'aller faire des petits pique-niques comme ça dans Paris et de sortir mes meilleures photos en mode été. Oh là là, j'aime trop. Et en plus c'est un blanc crème, c'est pas un blanc blanc, vous voyez. Autant je mets ça aujourd'hui, demain je vais mettre un gros baggy, enfin bref. Cherchez pas à comprendre. On va passer à un autre article de chez Sandro. Le deuxième article de chez Sandro. Oh là là, franchement, je suis très mitigée par rapport au top court comme ça. Parce que moi j'ai un complexe avec mes épaules zébrées à épaulettes. On sent là la petite mousse, c'est vraiment pour marquer la truc. Et ensuite, l'effet que je veux créer là, c'est resserré pour pas que ça fasse trop chasuble, vous voyez. Resserré en bas pour que ça cintre ici. Moi j'aime trop cintrer mes tenues. Je vais trouver un bas, vous allez voir, la tenue elle va être trop gang. Je sais avec quoi je portais. Je portais avec ma pièce phare, je vous le présente. Plus tout le monde me demande la rêve sur Instagram. C'est un jean de chez Pull&Bear. Je n'ai jamais réussi à retrouver la rêve sur internet. Mais je l'ai trouvé entre deux cintres sur un portant de pièces qui allaient partir. Genre en mode ouais, dernière chance pour ces vêtements là. Tout le monde me demande la rêve, mais je n'ai jamais su la trouver. Enfin, j'ai vraiment l'impression que du coup je suis la seule à le porter en France limite. Ça, c'est des pièces plutôt été, hein, souvenez-vous. Genre là, je dis haul spécial hiver. Mais en hiver, moi j'aime bien préparer mes tenues d'été. Vous mixez, en fait c'est cool parce qu'en fait t'es pas obligé de porter que des sortes de grosses marques qui sont dans la vie montagne ou quoi. Tu peux mixer genre là, je sais pas, ça c'est la pièce de Sandro avec un bas puis une bière. Je trouve ça passe crème en fait. C'est qu'est-ce qu'on en sait et au final si ça rend bien c'est le principal. Tu peux même rajouter une ceinture si tu veux accentuer, mais là je laisse comme ça. Pas mal. Le but c'était pas de faire des tenues dans cette vidéo, mais c'est pour vraiment que vous voyez un petit peu le style dans lequel j'ai envie d'aller pour le printemps, été et même cette fin d'hiver parce qu'en soi, comme je disais tout à l'heure, on est confiné, on est chez nous. Moi, pour mes photos Insta, mon contenu et tout, j'aime trop faire des tenues comme s'il faisait 30 degrés. Voilà, voilà ce que ça donne d'en bas. Bon, calculez toujours pas mes crocs, même si en soi je commence vraiment à les trouver stylées. Là, j'ai envie de faire des petites photos Insta. Franchement, j'ai bien aimé ce look-là. Prochain vêtement, toujours de chez Sandro. Oh là là, elle est incroyable. Quand je vous ai dit que j'aimais le marron, je ne blaguais pas. Attendez, faut quand même que je l'essaye. Vous savez quoi, je vais l'essayer par-dessus mon haut. Je pense que ça ne se verra pas. Ah non, je peux pas, je suis obligée de l'enlever parce que là, il y a des épaulettes et ça va tout fausser. Beaucoup. Mais vous allez dire, la meuf, elle a un style vieillot. Je sais pas si vous êtes vraiment dans la même vibe que moi, genre en mode en ce moment là, comment dire, style de vêtements. Who's talking to me? Attends. Oh oui, je suis chelou. Alors, j'aurais bien aimé que ça soit un peu moins skinny. Mais ça c'est moi qui ai pris de 34. En fait c'est une sorte de gilet, veste épaisse, mais en même temps ça peut faire un top. Je sais pas comment vous expliquer. Attendez, mais regardez les détails de plus près s'il vous plaît. Ça se voit que c'est de la qualité. J'aime trop. Je vous propose qu'on passe au prochain article. Sandro, c'est fini. Maintenant, il me reste une dernière marque à tester que je n'ai pas essayé. C'est quelques articles de chez Pretty Little Thing. J'étais passée au showroom, il y a des trucs que j'ai pas essayé, donc du coup voilà. Alors, j'ai trouvé ce haut. Il est de matière transparente, mais avec les imprimés, on voit pas tellement. Après, moi, faut savoir que je suis moche, mais vraiment presque plus de soucis, donc je m'en fous un peu. Ça fait très inspiration Jean-Paul Gaultier. Et j'aime beaucoup, c'est très léger par contre, donc pour l'hiver, voilà. Plus pour rester chez soi, faire des pics. Mais voilà, sinon en été, parfait. On passe tout de suite à une robe cette fois-ci. Ensuite, la voici, la petite robe. Attendez, je vais vous baisser un peu. C'est une robe en maille marron. Alors moi, je vous dis, si j'ai pas un article marron dans une commande, chaque fois que je commande chez une marque, je meurs. Voilà, ça c'est un peu une matière hiver, mais tu peux très bien porter printemps-été, hein, parce que de toute façon, c'est à bretelles tout ça. Donc voilà, j'ai toujours pas coupé l'étiquette. C'est rare que je porte des robes, donc voilà, là j'ai fait un petit effort et tout, voilà. J'aime bien, dites-moi ce que vous en pensez. Et le tout dernier article que j'ai à vous montrer, c'est une petite veste. De base, je pensais pas que ça allait être mon style et au final, je l'ai bien aimée donc je l'ai prise. La voici.
Bon guys, je termine avec mon téléphone parce que ma caméra vient de se couper et que de toute façon il me reste vraiment 30 secondes de vidéo. Mais voilà, juste pour vous montrer la veste. J'aime bien le beige sable comme ça. Bon là, faut pas porter avec une robe, je trouve que ça fait un peu trop too much, tout ça va pas du tout ensemble. Mais pourquoi pas avec un top court et vraiment je sais pas, un pantalon bien cintré ou quoi. C'est la fin de ce petit try on haul, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez pu vous mettre à jour par rapport à mes goûts du moment, voilà, mes inspirations et tout. Voilà, on se retrouvera, je sais pas, peut-être d'ici cet été pour faire un autre point mode, vêtements et haul. Et voilà, j'ai pas envie de trop vous saturer avec ça parce que de toute façon, vous pouvez suivre mes dernières décisions sur les réseaux sociaux, notamment en story Insta. Donc voilà, en attendant, portez-vous bien la mif. Je vous fais de gros bisous. Bye!